Parce que j'avais oublié de lancer le recording. Bonjour, bonjour YouTube. Donc non, je disais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est chiant que j'ai pas ces notifications là, là je les vois, mais Raphaël Avani qui est près de son canapé. Voilà. Ce qui est très bizarre. Attendez, je vais baisser un peu la musique. Baisser un peu la musique de ce côté-là. Bon alors normalement je devrais déjà être en vol et je suis désolé parce que voilà, j'ai une réunion qui s'est un petit peu. Une réunion de travail qui s'est un petit peu éternisée. Hello Franck, hello Papa Noël, hello chouchou du coup. Mon canapé est cosy et comfy. Donc ce qui fait que très concrètement, hein, je vais me mettre vite fait sur Split comme ça. Je n'ai pas encore du tout choisi de destination. Par contre, ce qu'on peut se faire tranquillement, là c'est, attendez, quand est-ce que je vais avoir une notification 11h35, ça on s'en fout. Discord, où es-tu Discord? Viens ici Discord. Nouveau périphérique audio, bah non, je touche à rien, espèce de couillon. J'ai vu qu'il y avait des choses qui restaient in the suggestion. Voilà, on va aller prendre celle-là directement. On va aller démarrer à Djerba. Suggestion de Mr. Papa Noël in the Discord because I am totally late and I haven't no time to prepare the first, un truc rigolo. Tiens, on va se poser dans l'eau, Djerba, tac, paf, on va se prendre un icon A5. Conditions de vol en direct et conditions de vol actuelles, point de départ, c'est parti, voilà. As-tu récupéré une nouvelle version du float? Absolument pas. Salut Bivrox, j'ai eu à peu près le temps de rien entre hier et aujourd'hui. Fini le boulot, après Rafa sur son live, moi j'étais un petit peu en train d'essayer de me sortir le boulot de la tête en geekant un petit peu, et puis après réunion sur Opus TV et machin, et pas mal de choses, sur lesquelles il va y avoir aussi pas mal de nouveautés, je vais retourner un peu plus régulièrement restreamer sur Opus TV, j'aurai bien évidemment, je vous invite bien évidemment à me suivre quand sur mes lives Opus TV. Je pense qu'on refera du flight sim aussi, les créneaux sur Opus TV étant de 2 heures. On essaiera de faire des créneaux voilà, un petit peu soir slash week-end, puisqu'il n'y a que là que je peux streamer sur Opus TV. On essaiera de se faire des créneaux de 2 heures, probablement sur du flight sim et autre chose. Hein, on proposera d'autres contenus aussi sur Opus TV. Mais je me dis que ce sera cool. On va, non pas qu'on va exporter le concept, mais on fera peut-être, voilà, typiquement, on fera peut-être les vols de brousse et les choses comme ça sur Opus. Je pense que ça peut être sympa. Nous y voilà. Alors, on est parti, on coupe le pilote automatique. Nous voilà au-dessus de Djerba. Et je suppose qu'effectivement, Papa Noël nous a sélectionné ça pour les watermarks. Putain, ça a de la gueule. Hier, c'est moi qui attendais. Bah oui, je sais bien, chouchou. C'était un peu bordéleux hier, et puis aujourd'hui ça continue un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais bref, on n'est pas là pour causer de ça, on est là pour profiter, justement, de profiter un petit peu d'une petite bulle d'air tranquille ou pépouze. Moi je vais monter un petit peu le son pour avoir la musique là. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez pas la musique, pourquoi le Elgato là il est pas du tout... Qu'est-ce que c'est que cette marde? Ouais, d'accord, vous avez le son ni de la musique ni de quoi que ce soit là en fait, concrètement, soyons francs. C'est joli, en plus on voit pas les hordes de touristes parisiens. C'est un peu ça, ouais. On est d'accord que vous avez pas de son là. Rien, que dalle, que chi, nada, nietch, nitch. On t'entend toi juste. Et ben voilà, encore un problème. Si tu veux voir le stade Inception, tu pourras le faire en fin de stream s'il te plaît. Je vais manger, je reviens à la fin. Ça marche, on essaie de se garder ça. Ce sera pas la dernière destination parce que la dernière destination on aime bien généralement voler un petit peu vers le ciel et au-delà. Alors il n'y a pas de musique. Qu'est-ce que... Oh tiens Papa Noël, il n'y a pas de musique, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attendez, on va reboot le moteur de... Attends, ça on va fermer déjà, pof, fermer, là en dessous le truc est derrière, là voilà, merci, exit, fais pas chier, hop. Alors qu'est-ce qui me fait cet abruti? Restart Audio Engine. Voilà, là vous l'avez. Il y a effectivement eu une coquille dans le potage. Mais nous y sommes. Voilà.
normalement, vous devrez avoir le son de la musique et de tout ce qui va avec. On va se faire un petit, verrage, tranquillou papouze. Et puis on va aller se poser là au milieu des watermarks un petit peu, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est beau là, elle est belle cet endroit là. Elle est belle cet endroit, elle est belle cette zone, il est beau cet endroit. Voilà, c'est mieux si on parle vaguement la France, hein, objectivement. Soyons pas nets. Avec une petite liaison dangereuse qui va bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez bien la musique et le son du jeu cette fois-ci? Nous sachons, messieurs, dames, nous sachons. Le sachoir est une arme. Salut, OSM, comment vas-tu? Welcome to Gerba, my friends. Avec des jolis watermarks. On va essayer d'aller se poser. Je pense qu'on va faire un petit virage supplémentaire, là. Et on va aller se poser, genre, là, dans cette zone toute... Ou là, je sais pas. J'hésite. I am tatting myself. And it is dégueulasse. Comme dirait l'autre, là, je me tente. Et où Papa Noël, il est là. On va déjà se prendre une petite photo sympatoche des familles, là. Welcome to Gerba, my friends. On entend la zik. Cool, très bien. Like vendredi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Like vendredi, almost in weekend, mais pas tout à fait. Comme on dit chez nous. Ta-dum. Où est-ce qu'on se pose, les copains? Vu qu'on est à Gerba, où est-ce qu'on prévoit d'aller se poser? Qu'est-ce qui vous tente le plus? Plutôt proche des îles? Plutôt proche de la plage? Plutôt dans l'espèce de canal rigolo là-bas? Qu'est-ce qui vous dit? Je suis en train de me casser la gueule, j'ai l'impression un peu là. Un petit amérissage des familles tranquilles, pépouze là, au milieu des trucs superbes, ma chérie, superbes. Putain, ça a de la gueule, hein. Franchement, ça a de la gueule, hein. J'étais jamais allé à Gerba. Enfin, je suis jamais allé à Gerba, tout court. Je sais pas pourquoi j'étais jamais allé, parce que j'y suis toujours pas allé, en fait. En vrai, ça reste du fake. Qu'est-ce qui vous dit? Où c'est qu'on se pose? S'il y a pas de suggestion, hein, moi j'annonce, hein, je vais aller me poser dans le canal. Hein. Dans le canal, je pense que ça se dit un canal, d'ailleurs. Mais dans le bidule, quoi. Dans le chenal, voilà, dans le chenal, pas dans le canal, dans le chenal. Dans le chenil. On va aller voir les chiens. Les petits toutous. Moi, j'adore les chiens. Je veux un chien. Par contre, on va peut-être se remettre en caméra extérieure, histoire de voir à peu près ce qu'on fait. Voilà, caméra externe. Hop, on va enlever ça, histoire que personne puisse dire que je triche. Hop là. Les flaps. Entre les îles. Entre les îles, ça aurait été tant d'axes quand même. Hein. On arrive vite, hein. On arrive fritas. Hein. Je pense que ça va être un peu relou. On est allé un peu... Bah, on va aller se poser par là quand même. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. On aime, hein. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va redresser un peu le museau. Ce qui fait qu'on va perdre tranquillement notre vitesse, là. Voilà. Puis on va aller se poser. Mais alors... Gentiment, là, un petit amérissage tranquillou des familles, là. Voilà, la Vespide à moins 240, moins 175, hop. Mais alors, comme une lettre à la poste, quoi. Pop, pop, pop. Salut, Monique. Tu arrêtes le stream à 13h, malgré le retard. On va arrêter le stream, je pense, vers 13h10, grand max. Parce que j'ai encore beaucoup de boulot qui m'attend. Du coup, il est possible qu'on soit un peu... Oh, Papa Noël, t'étais pas encore posé, là? Si, t'es posé? J'ai l'impression que tu lévites. J'ai l'impression que t'es en lévitation, mon copain. Est-ce que j'ai eu l'occasion de vous dire que la pause déj un jour comme aujourd'hui est devenue vitale quand au boulot, on te chie dans les bottes? Tu devrais être remboursé par l'assurance sociale. Je vais me renseigner, tiens. Je vais me renseigner pour savoir si je peux être... remboursé... Par l'assurance. En fait, il faudrait savoir si les subs que vous mettez sur la chaîne peuvent être vous être remboursés par l'assurance sociale. Mais on est d'accord, hein, même moi de mon côté, j'ai eu une matinée un peu compliquée. Donc effectivement, ça ferait grand bien. J'avais besoin de ma pause déj. Et ben voilà, Gerba c'est fait, on va redécoller vite fait. Où est-ce qu'on va après, les copains, le temps que je redécolle? Qu'est-ce qui vous dit? Pourquoi j'ai pas de...
Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, j'étais en... j'avais appuyé sur le bouton de la reverse, ce qui servait concrètement à rien. Ouah, un petit peu de, un peu de drift. Ouah. Fast and Furious 67. L'île de Crète. Ah ouais, tiens, l'île de Crète, on n'a jamais fait l'île de Crète. Oh, ça peut être sympa, ça. Ah, c'est beau. C'est beau. On va se reprendre un petit peu de Vitas. Question con, est-ce que du coup là-dessus on a. Non, il n'y a rien en termes de. Ah si, ça touche quand même mes RPM, il y a quand même une manette qui doit bouger quelque part. Je suis en train de jouer avec, avec la vitesse d'hélice, hein. C'est pour ça que potentiellement vous voyez mes RPM qui se cassent la gueule. Il y a ça et il y a le mélange. Mais le mélange, du coup, non, il a l'air de toucher à rien du tout. Je ne sais pas. Bah écoute, no c'est. C'est pas grave. Oh oui, et Santorin aussi. C'est quoi Santorin? C'est une île pas loin, je suppose? I guess? Maybe? I am geoguessing? Muddy Principle. Yep. Windows 2, j'ai même pas ouvert ça. Shame on me. La Crète. Zut. Touloudoum. Tiens, encore un truc qui s'est déconnecté. Touloudoum. Tiens, j'ai pas allumé ça d'ailleurs. On est en train de faire des conneries, les copains. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je vous mette à contribution. Alors déjà, on va tester ça. Ça, ça marche. Première des choses. Ensuite, je vais tester aussi en termes de points de chaîne, parce que c'est un truc que j'ai pas eu le temps de tester. D'accord, ça marche pas. Donc ça marche pas. Ça veut dire que surtout, ne lancez pas de goat. Il faut que je redémarre. Il faut que je redémarre cette chose-là. Ne bugez pas, ne bugez pas, ne bugez pas. Exit. On relance. Voilà, déconnexion, le WebSocket, c'est déconnecté, tout ça, machin. On va retourner par là. Tartarus. Ah, c'est lui qui s'était déconnecté? Non, mais laisse-moi tranquille. On va retourner sur la Crète. Windows 2. Où est-ce qu'on va au niveau de la Crète, du coup? Cousteau, il voyait l'origine du... Attendez, j'ai raté... Santorin. C'est... Pouah! Attendez, j'étais pas prêt! Papa Noël a pris un abonnement avec Prime Gaming, son 4e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Point, ouin, 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 ouin. Merci mon cher test. Papa Noël. Test. La voix qui va dire test. N'hésitez pas à lui faire dire des trucs un peu bizarres à cette madame quand même. Alors bizarre, Twitch friendly, mais bizarre. Alors attendez, on va faire... Faisons les choses dans l'ordre. Ça, c'est relaunch. Donc, si c'est relaunch, on va actualiser cette chose-là. Voilà, connecté à Android. On va vérifier que ça, maintenant, c'est connecté. Ça, c'est connecté. Voilà, donc ça, c'est bon. On va pouvoir enlever ceci. Deuxième chose, Raph, toi qui voulais aller en Crète, y a-tu une destination particulière au niveau de la Crète? Sinon, moi, j'irais taper entre les deux... J'irais à Packness. Quelque chose par là. Tout ça m'a l'air bien. Ou par là, la canée. Oh, ça a l'air sympa, là, cette zone-là. Vas-y, on va la canner. On va la canner, on va crever tous. Comme des charognes. Hop, vas-y, on fait ça. On va là. Paf. Paf. Du coup, j'ai pas pris la mise à jour du X-Float, donc ne prenons pas le X-Float, sinon survol en Alpha Jet. Ah putain, mais ouais, grave, on va faire l'Alpha Jet, comme ça, on fera plein de trucs. Mais ouais, il est où mon Alpha? Il est où mon Alpha? Il est là. Mon bel Alpha Jet. Non, j'ai fait un misclick. Pas du tout. Livrée. On va prendre une livrée sympa. Ah, celle-là, me plaît bien. Une petite livrée sympatoche, là, pour l'Alpha Jet, au-dessus de la... Hop. On va faire le tour de l'île tranquillou. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, qu'il faut tester, je me souviens plus du nom de l'endroit, mais c'est pas grave, on va checker tout ça. Hein. On va aller joyeusement checker tout ça. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Normalement, voilà, c'est ça. Normalement, si je me suis bien démerdé la dernière fois qu'on l'a fait en live, il devrait y avoir une commande de type point d'exclamation clip qui devrait être accessible via le chat et qui du coup devrait... Oh mais on est vachement haut là, dis donc, oh là là, oh, qu'est-ce qu'on fout largement au-dessus des nuages là? Il est fou celui-là. Ah ouais,
Ah, cela dit, ça va être intéressant quand même. Parce que du coup, on va prendre le temps tranquillement de descendre tout ça. Putain, ça en fait, l'île de Crète, vue de très très haut, c'est pas dégueu. Soyons honnêtes. Wouhou! Hop là, on va se mettre, on va tranquillement quand même se mettre les aérofreins avant de se dire qu'on se casse trop la gueule et que derrière on va être en mode ah là là, c'est sur vitesse, c'est la merde. Soyons poney. Soyons poney, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi poney? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore? Oh, c'est beau, putain, c'est beau. Toi aussi, tu veux voler très très vite? Envoie Alpha Jet au 8-12-12. Alpha Jet au 8-12-12. Ah ouais, non mais c'est immense, c'est beau, c'est... En fait, on va pas descendre trop bas, hein. On va rester, allez, on va rester sur cette zone-là. On va rester sur cette hauteur-là, en fait, parce que c'est juste magnifique, là. On est avec notre petit alpha tranquillou des familles, et on va rester sur cette zone comme ça, là, parce que c'est juste trop beau. On va trimer un peu, histoire de pas se casser la gueule. Voilà. Mais la zone est juste incroyable, là, comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, là? Ça te va, chouchou? Vu que c'est toi qui as demandé la graisse, est-ce que ça te va? Après, limite, on pourrait aller faire joue dans les montagnes, là. Oh, putain, j'ai trop envie d'aller faire joue dans les montagnes, un truc de fou. Truc de ouf, j'ai envie d'aller faire joue dans les montagnes, là. Tac, tac. Allez, on va rebaisser un peu le museau, parce qu'il est en train de se casser la gueule, là. Mais il va finir par se casser la gueule, plutôt. Hop, un Papa Noël qui arrive. Ouah. Hop, un petit survol de la graisse là, comme ça en Alpha Jet, ça a de la gueule là. Oui, alors très bien, si ça te va, ça me va. Comment c'est beau. Punaise. Il est où Papa Noël là, qu'on fasse une jolie formation là. Il est où copain? T'es où copain? On l'a perdu copain je crois, c'est pas grave. Hop, on va se mettre comme ça là, pop hop hop, en mode pop hop hop hop, je te vois plus, ah bah voilà, ah bah bravo. Je te vois plus Jean-Claude, tu es où? Est-ce qu'on ferait pas un petit hop? Hop, voilà, ça serait une photo intéressante en fait dans l'idée, voire même comme ça, tac. Hop là. Après c'est compliqué parce que je suis obligé de mâcher les commandes donc hop là. Vu, je vais me caler, ça marche. Je passe en pilote auto. Tac, comme ça, on garde à peu près propre. Tac. Where are you, my friend? Where are you? Rafa is on fire. Est-ce que j'ai le droit de demander 8-12-12 IRL à la maison? J'avais pas vu. Il devrait... Eh, je suis en pilote auto. Ça devrait pouvoir être possible. Pourquoi il grimpe comme ça alors que je suis en pilote automatique, le monsieur? Je l'ai peut-être pas activé du coup. Ou y en a pas. Y a un pilote. Bah si, y'a un pilote auto quand même. Rafa a besoin de toi. Toi aussi, tu veux de la chaleur à la maison? Envoie NEM au 8-12-12. NEM au 8-12-12. Il est où copain? If you see me, check me. High five. Ah bah voilà, pour l'exclamation, clip, ça a marché. Nickel, parfait. Merci, c'est ça qu'on voulait tester. Merci Nikrose. Merci beaucoup. Donc ça marche, voilà. Donc vous êtes en capacité de faire un point d'exclamation clip. Un, ça clip. Deux, ça le poste dans le truc. Comment elle est pas belle la technologie? Hein? Alors, elle est pas belle la vie? Ouais copain. On voit plus copain. I didn't see copain. Ah parce que là, moi, là, j'ai qu'une envie, là, c'est de me mettre sur le dos, de basculer, couper les gaz, rallumer au radada et d'aller faire jouer dans les montagnes, là. Là, je vous cache pas que là, j'ai le manche à balai qui me démange. T'es où? Allez, voilà. Ouah, youhou. Ah, bah voilà. Highway to the danger zone. Highway to the danger zone. Ouais, je chante très très bien, je le sais. Vous pouvez le dire dans le live. I am a very good singer, hein. Passage bas rapide, Ghost Rider, du monde dans la boucle, tout ça. Ouais, vas-y, il y a longtemps qu'on t'a pas vu te payer une colline.
Rafa qui veut du 8-12-12, Nem qu'elle mange, qui démange, tu m'étonnes qu'il n'y aura pas de live ce soir. Non, pas dit ça, moi. Voilà. Voilà, copain qui vient d'interception, là. Voilà, c'est ça qu'on veut, là. Deux alphas. Voilà. Une belle photo, là. C'est ça qu'on veut. Highway to the danger zone. Ça, c'est beau. Vous faites ce que vous voulez, moi, je suis bien, là. Moi, je bouge plus, là. Enfin, je bouge plus, presque. Oh, et puis merde. Hop. Hop là. Bouya. Comme on dit chez nous, c'est parti, mon kiki. Attendez, on va faire un truc intelligent. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Paf. Oh, ça a de la gueule. Oh, ça a de la gueule. Pingaz. En même temps, Barry White à la maison, ça prend de la place. Il est grand chez toi. C'est grand. Ouais, c'est un peu grand chez moi, ça va. C'est raisonnable. Et hop là. Wouhou. On est en pleine survitesse, objectivement. Hein, donc, je sais pas si, il va être très très d'accord, ce monsieur, mais... Wouhou. Youpi. Elle est pas belle, la vie, là. Hein. On n'est pas bien là, toi, moi et mes belles baskets. Impact dans 5 secondes. Non, homme de peu de foi que voilà. Regardez-moi ça. Hop là. Youhou. Alors le tonneau à facettes, on va pas le faire hein, parce qu'on le maîtrise pas, on va pas déconner. Hein, genre un truc comme ça là, pof, pof, pof. Bon, c'est pas terrible hein. Le tonneau à facettes, il était dégueulasse, hein, mais c'est pas grave. Youhou. Youpi. Bon, c'est quoi la prochaine destination, voire même, attendez, normalement, on est en défi d'atterrissage, là, il est midi et demi, il va être midi et demi, on va passer un petit, il se la pète, achète une casquette. Et tu l'as, copain? Non, il a plus suivi, du coup. Plein gaz! Vas-y, on grimpe la colline, on grimpe la colline. Ouhou, on fait comme les vidéos sur YouTube. Ouli, allez, ah, 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 les arbres. Ah, ah, c'est joli. Ah, on remonte. Ah, ouhou. Ah, ah bah je sais pas vous, mais moi ça fait du bien. Après, tu nous fais la même avec un Canadair. Ah oh là 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 là. Ça va, vous, sinon? Ça a de la gueule, hein. Heureusement qu'il y a les Alpha Jet pour faire de la merde, hein. Allez, on s'est parti. Plein gaz, on grimpe tout là-haut, le temps que je regarde the chat. Alors, c'est surtout le fait que l'avion ne perd pas de puissance quand tu montes à la verticale. Bah, c'est ça, voilà, c'est le truc, t'as une petite fusée, quoi. Et là, d'un coup, paf, 10 000 pieds. Voilà. Je suis pas sûr que le modèle de vol soit ultra, ultra réaliste, en vrai. Je suis pas sûr que l'Alpha Jet grimpe aussi vite. Parce qu'il grimpe comme un F-15, le machin. Hein. Il est plein de verticales. Le truc, c'est un engin, mon gars. Pouf. Je suis pas sûr que le modèle de vol soit tout à fait réaliste. Mais c'est pas grave. Allez, moi, ça, c'est cette altitude qu'on a pris immédiatement, là. Pop, 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 pop. La, la, la. C'est joli. Alors, donc, on l'a dit. Donc tu vois, pas d'impact, mon cher Franck. Hein. Il dégrade plus. Bah ouais, ça me semble logique qu'il devrait dégrader un peu plus. Ça reste un Alpha Jet, quoi. C'est un avion d'entraînement. C'est pas censé être un F-15 designé pour aller taper du satellite à 90 degrés sol, quoi. Alors, défi atterro, je suis parti plein gaz vertical. 6W2, voyons voir. Ils ont dû laisser la puissance d'un rafale. Non, mais complètement. Un truc qu'on n'a pas fait. Un truc qu'on a encore jamais fait ici. On va aller voir la... On va aller tâter de la stratosphère. Ah, on commence à dégrader la vitesse, là. Ça y est. Là, on dégrade un petit peu. On va arrondir un peu. Ah, on en perd bien, là, de la vitesse. Hein. Je me demande si on va pas commencer à arriver au plafond... on est à 30 000 pieds. Il est pas impossible qu'on commence à arriver un peu au plafond du bousin, là. Le plafond est à 25 ou 30 000 pieds sur l'avion. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien ce que je pensais.
Là, voilà, on commence à arriver sur le plafond. Je suis plein gaz. Le truc, il galère. Hein. Niveau 300 pour un alpha, ça commence à faire... Oh, non, mais clairement. Hein. Mais voilà, c'était le but du jeu, c'est d'aller titiller un petit peu, avec la haute altitude, là. Ça peut être sympa aussi, une petite photo comme ça, de temps en temps. Et après, on va aller se faire notre défi d'atterrissage. Oh là là. Ah, j'étais en commande. Ah, du coup, il se casse la gueule. Fait de la merde, bougez pas, j'arrive, hop. Voilà, hop, on coupe les commandes, on part en mode caméra. Voilà, ça a de la gueule comme ça aussi, là. Une petite photo prise de vraiment très, 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 très haut. On en a pas beaucoup, les comme ça, objectivement. Hein. Parce qu'on fait les cons... Vous le voyez pas, l'avion, je l'ai caché, mais vous le verrez sur la... Vous le verrez sur la... Sur le screenshot. Le U2 est plus technique, quand même. Ah, ouais, tu m'étonnes. Il y a un mode SR-71. Non ! Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un SR-71, je vous montrerai une photo juste après. Ça va être l'avion qui doit contenir le plus de records d'altitude et de vitesse au monde, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc... c'est un avion espion qui va bien. Alors, attendez. Carte du monde. Donc, défi d'atterrissage, on a dit... Qu'est-ce que nous a proposé Papa Noël ? 6WA2. On est où avec ce 6WA2 ? 2. Cowherfield Olympia. Où est-ce qu'on est ? Jut ! On est sur la côte ouest ! Définir comme arrivée. On est au sud de Seattle. On va peut-être se mettre deux jours quand même. Hein. Il y a l'air de faire moche. Du coup, on va peut-être se mettre en condition réelle. Ça serait rigolo. Ça a l'air sympa, cette histoire-là. Ah, ça me tente bien, cette zone-là. Ça va être sympatoche, sympatoche, sympatoche. Salut, hello, Race Division. How are you, my friend? Navré, c'est le X15. Les records... Le X15, c'était quand même avant ou après le SR... Non, le X15, c'est avant le SR-71. Et le SR-71 a quand même claqué pas mal de records, quand même. Hein. Le X15, c'est un proto. Oui, bah après, le X15, c'est un proto, soit. Mais est-ce qu'on part avec l'Alpha Jet ou est-ce qu'on part avec autre chose? Qui c'est qui avait proposé, mon cher Papa Noël, le 6WA2 approche ouest en caravane, tu nous avais dit. Donc, allons-y. Caravane. Hop, caravane. Je suis né dans cette caravane. Ça compte pas. Alors, on se met en condition de vol réelle. Ça a l'air dégueulasse. Et donc, du coup, c'est bien. Parce que si c'est dégueulasse... toi aussi, tu aimes les caravanes? Envoie caravane au 8-12-12. Caravane au 8-12-12. J'ai pas le temps de boire mon café. Si tu veux que je boive mon café, envoie café au 8-12-12. On voit bisous au 8-12-12. Toi aussi tu aimes le café? Envoie café au 8-12-12. Café au 8-12-12. J'ai failli m'étouffer. Le strike qui va tomber. J'ai failli m'étouffer en faisant le... Bon, il fait dégueulasse. Du coup, le clip est parti. Ah oui, bisous. Alors, question Papa Noël. Est-ce que il est censé faire beau et il vaut mieux que je me mette sur un truc où il fait beau, ou est-ce qu'on se tente le défi d'atterrissage en mode visibilité zéro encore? Attends. Encore un bisou? C'était un bisou? Je sais pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Quoi? Si on se pose comme ça, on n'y arrivera pas, tu penses? À la limite, dans le Amélie du vent et pas du brouillard. Vas-y, moi je suis chaud. C'est un défi ou c'est pas un défi? Allez, YOLO, moi j'y vais. Fais ce que tu veux, moi j'y vais. Je coupe le pilote auto. Je sais pas où est la piste, je m'en fous. On va regarder sur l'ILS, hein, concrètement. On va essayer de se caler sur l'espèce de VUSAT radar qui est là. Voilà, je suis à peu près... moi, je m'en fous. Hein, je suis à peu près à line, j'y vais. Trop in love, ce stream. Impact dans combien de secondes, du coup? Je sais pas. Attends, je vais reprendre un peu de vitesse parce que là, je suis en train de, je pense, de me casser une poquito la gueulasse. Mais est-ce qu'on voit la piste quelque part? Non, que dalle. Putain, c'est la première fois qu'on fait un vol sans visibilité, les gars. Est-ce que c'est pas un peu de la gueule?
On dévie, hein. On dévie à droite, là, sur le GPS. Attention, hein. Moi, je suis chaud, hein. Moi, j'y vais, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Attention, on va recaler un petit peu à droite. Là, la balise au centre, hein, nous dit qu'on est clairement trop à gauche par rapport à notre trajectoire. On est encore à 1000 pieds. Ah, on voit des lumières, on voit des loupiottes devant. Hein, donc, on a camarade qui est encore devant, là. Hop, on va s'aligner un petit peu comme ça. Par contre, on dirait que le dernier clip a pas marché. Ah, mais il se peut que ça ait marché, mais que le lien soit un peu, je veux dire, pas abîmé, mais un peu cassé, quoi. On va remettre du gaz, en fait, là, parce que c'est la merde. On est déjà à 70 nœuds. Ça sent le pâté. Ça sent le pâté. On va enlever les flaps, là, parce que je sais pas si je dois avoir du flaps qui doit traîner. On se casse la gueule un peu? Non, c'est bon, ça va. On est en train de reprendre de l'altitude, là. Ce qui m'inquiète, c'est que normalement, on est censé voir de l'eau en dessous de nous à un moment, mais je pense que du coup, on n'y est pas du tout. On a raté, là. On n'était pas censé voir de l'eau à un moment? Je crois qu'on a complètement overshoot, là. Elle est où, la piste? J'ai fait de la merde. Du coup, à lire, je l'ai dépassé. Ouais, j'ai dépassé la truc, hein. C'est de la merde, là. Attendez, on va faire un petit virage des familles. J'ai complètement raté le truc, là. Oui, bonjour. On cherche la piste, s'il vous plaît. Allez, hop. Virage des familles. Ah, attends. Where is the piste? Elle devrait être quelque part par là, la piste, là. C'est quoi? C'est le machin, là? C'est la trouée dans les arbres, là? Ah ouais, ok, c'est la trouée dans les arbres. Ouais. Chaud. Vas-y, approche. Piste 8-12-12. Ah ouais, grave chaud. C'est bon, elle est là. Ça doit être la piste, ça. Elle est faire le GPS? Non? Si? Oui? Peut-être? Inch'Allah, peut-être? Oui, c'est ça la piste. Vas-y, on va dire que c'est ça la piste. On va dire que c'est ça la piste. Du coup, effectivement, on va la... Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la 301, elle veut absolument se déconnecter? C'est chiant comme truc. Pourquoi la tablette, elle se déco? Elle est connectée comme il faut. Puis c'est pas ça qui va me dire « Oh, t'as un nouveau truc enclenché, là, quand même. » En fait, je crois que c'est mon hub USB qui pète un plomb. Je suis désolé, les copains. Je crois que c'est mon hub USB qui commence à péter un petit peu des durites. Il va peut-être falloir que je le change. Et du coup, dès qu'on a la main, on y retourne. Hein, mais voilà, là, je gigote le joystick. Je tripote le joystick dans tous les sens, là. Et on n'a pas encore récupéré la main, mais ça va venir. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, je sais pas ce qui se passe d'un point de vue caméra, mais... C'est quoi un hub? bonjour, ce serait pour récupérer la main, s'il vous plaît. Un poké, très bien, je prends. Rends-moi la main, je veux mon joystick, je veux mon bâton de la joie. Mais il a crash ou... Tu le branches sur ton PC et t'as plusieurs prises USB. Ah, mais c'était une vraie question, OSM. Je pensais que c'était une joke, moi. C'est une base où les compagnies aériennes répartissent les passagers entre avions. Oui, il y a ça aussi, ça dépend du truc. Ah, mais c'était une vraie question, OSM. Parce que pour moi, tout le monde sait ce que c'est qu'un hub, mais peut-être que c'était une vraie question, effectivement. Un hub, c'est la démultiplication de ton port USB en 3, 4, 5, 6 ports USB, tout bêtement. C'est un petit appareil sur lequel tu branches 6 USB sur un seul USB sur ton ordi. J'ai peur qu'on ait crash un peu, en fait, là. Mais genre sale, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, genre, on a rien... là, je pense qu'on a un peu tout perdu, là. Ah, attendez, on va ouvrir le gestionnaire des tâches, là. Qu'est-ce qui me fait, ce con? Officiellement, il n'a pas encore planté. Il me dit pas qu'il est en non-réponse. C'est décevant. La Goat Scream, elle a planté aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème avec la tablette. Puisque c'est la tablette qui est censée diriger le truc. Voilà, c'est bon, on a récupéré la main. C'était effectivement un problème avec la tablette. On a récupéré la main. On est reparti, on va refaire notre petit virage des familles. Pour une fois qu'on a un crash sans casser l'avion. C'est un peu ça. Allez. Faut qu'on retrouve la piste maintenant. Elle est où, la trouée? Elle est là. Ça y est. On va y arriver, les copains, là. On va y arriver. Vitesse. Flaps. Hop. Oh, c'est chaud. Oh, elle est courte. Oh, putain, elle est ultra courte, en fait. Oh, le virage, il était sale. Ah ouais, non, elle est ultra courte, en vrai.
Pousse-toi, Papa Noël, j'arrive! Boing. Ah! Temps pour moi, s'il vous plaît. Fallait atterrir plus tôt. Ouais, mais à partir du moment où le jeu avait crash, on savait que c'était foutu. On savait que c'était mort. On avait déjà perdu trop de temps avec le crash. Non, mais en vrai, ce qu'on va faire, on va quand même se prendre ça comme arrivé. On va faire ça comme ça. Par contre, on va se faire... parce que l'endroit a l'air quand même sympa, en vrai. On va juste se mettre quelques nuages, on va faire démarrer le vol. Et on va le faire... Vu le prix d'une tronçonneuse chez Bricorama, je trouve un peu couteau d'utiliser un caravane comme tu le fais. Non, mais c'est pour faire plaisir à... Comment ça s'appelle ? C'est pour faire plaisir à Gauthier, ça. C'est tout. Bon, du coup, après... Mais je te fais confiance, Raph. Je te fais confiance. Gère comme tu veux, mais ce que tu veux dedans, tu connais mes goûts. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, maintenant, la piste. Voilà, elle est devant. Il fait beau. L'endroit est quand même sympa, en fait. C'est ça, le deal. C'est que l'endroit est sympa, en fait. Donc, autant quand même profiter de la zone un petit peu au moment d'atterrir, quoi. Ça a de la gueule, hein. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette zone-là. Elle est jolie. Attendez, on va se prendre une photo. En mode vitrine. Hop. Ah, ça a de la gueule, là. Dès que la souris est partie, hop, paf, voilà. Shoot Bruxelles, du coup, ils viennent dire... Non, pas shoot Bruxelles, hein. On va y aller le temps de finir l'atterrissage et on finira, du coup, sur le stade Inception. Puisqu'on a les coordonnées, cette fois-ci. Donc, on devrait y arriver. Hop, paf, 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 paf. On est sur une vitesse un peu limite, quand même. Est-ce qu'on a les flaps de sortie, là? Je sais pas. On est full flaps déjà. Il nous met automatiquement en full flaps quand on arrive. Ok, 60 nœuds. Tranquillou pépouze. Ça gigote pas trop. Moi j'aime les burritos merguez frites avec sauce américaine et double oignon. Oh, ça a l'air bon ça. Alors, on va se laisser tranquillement descendre. Tout doux. Tout doux. Oui, bonjour. Ce serait pour une approche tranquillou pépouze juste au-dessus de la rivière, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames. Sauce américaine. Sauce samouraï. Pas frites versus all. Mitraillette sauce samouraï, n'est-ce pas? Pas idéal pour aller draguer après. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il a besoin de draguer, OSM, objectivement? Il a pas besoin. C'est un mec, il a juste naturellement du talent, quoi. Pain frites. Il va devenir fou, pain frites. Pourquoi il veut pas descendre plus l'avion, là? Allez. On va être obligé de piquer du nez alors qu'on est tranquillement en train de... On volait bien, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quel relou. Mais putain, mais... Allez, descends, quoi. Il veut pas descendre, l'avion. C'est un truc de dingue. Non, mais... Pas les arbres. Non, bah voilà, très bien. Voilà, ça c'est fait. Et puis vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vais prendre la nationale maintenant. Voilà, faites ce que vous voulez, moi je me casse. Hein. Je me casse, Jean-Claude. Je vis en Belgique et la frite est une solution, donc le pain frite m'interpelle. C'est pas un pain frite. On appelle ça du coup une mitraillette. Allez, moi je prends la nationale, hein, je me casse. Hein. Allez, tchou les nazes. Allez. Mais... Forza Horizon 27. Wouhou! YOLO! Bon, autant dire que les ailes, elles sont mortes hein, depuis 20 jours, hein, mais c'est pas grave! Ya! Yeah, vas-y, on prend la nationale 17! On est parti! Ça roule toujours! On s'est toujours pas craché, les copains! Ouais. J'ai aucun problème avec des... J'ai aucun problème ici, hein. Hop là! Merde, on a... Putain! J'ai pas respecté la priorité à droite! C'est la merde! Ah, ça y est, on s'est crashé. Bah voilà!
Quand même, il était temps. Du coup, un petit géoguesseur, c'est un peu ça. Bonjour, alors sachant que nous sommes au kilomètre 412 de la Nationale 27, dans quel pays sommes-nous? Mon épouse est comme une grande grue de chantier, bien pratique au jour le jour, mais quand il... Oh bah bravo! Oh bah bravo SM, bravo hein. Oh là là, la blague c'est schisme. Bravo hein, j'ai pas réussi à commander, ma carte est expirée, désolé. Eh merde. Bon, et bah tant pis. Alors... Ce qu'on va faire. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on... Ah oui, on avait dit les coordonnées du truc là. Alors attendez, bougez pas. Suggestion Discord. On va revenir dans le flood. Les coordonnées de Bivrox de ce matin, enfin de hier du coup. Hop, 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 hop. Voilà. Tac, on est là. Définir comme point de départ, on va prendre, comme on l'a dit, the hélicoptère. Hop. Tac, tac. Et on finira sur ça avant d'aller tranquillou manjale. Non, juste pain frites et sauce, pourquoi pas. Mais pain frites avec rien dedans. Mais c'est pas bien, ça sert à rien. Autobahn pour moi, tcho. Baguette, tu la cuis légèrement. Mais non, mais elles sont sur le Discord de Lou, mais après, je peux les remettre dans le chat, bouge pas. Hop. Mais non, là, si on parle juste de pain frites avec juste du pain et des frites, ça sert absolument à rien. Mais non, il faut mettre des trucs dedans, pain frites, oh là là. Enfin, après, si toi, tu aimes, hein, moi, qui suis-je pour juger, hein. Mais moi, s'il n'y a pas de sauce, rien que dalle. Alors... Un stade. C'est ce bidule-là, c'est ça, là? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là? Bah si c'est utile, c'est l'amitié franco-belge. Surtout que les frites que tu manges sont sans doute pas les meilleures qui soient. Ça y est, là, on a une amitié franco-belge qui est en train de se briser, là, les copains. Alors, finalement c'est bon, cool, on va pouvoir manger ce midi, ça c'est chouette. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a un immense stade composé de 4 stades là, c'est quoi ce délire là? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah ouais, il y a du stade là, de partout là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voyons voir. Mais pourquoi il y a plein de stades comme ça? Merci pour les coordonnées. C'est un bâtiment générique. Mais il est pas... Non, c'est pas si générique que ça, regarde. C'est quand même chelou comme truc. Il y a des stades dans des... avec des... Ouais, c'est 4 stades qui sont sur... qui font un stade... qui couvrent un stade au milieu. C'est plusieurs stades, quoi. Il y a Zaza qui pleure. Bah, qui rentre? Elle est ouverte, la porte. Qu'est-ce qu'il me fait, ce chat, là? Il est complètement con. Vas-y. Alors, il y a les tribunes, mais... Putain. Vous avez vu le nombre de tribunes par rapport à la piste qui est au milieu, là? Mais laisse-le, ce chat, laisse-le tranquille, il fait ce qu'il veut. Vous avez vu, là, le nombre de places pour une piste toute petite? C'est n'importe quoi, ce stade. Et du coup, l'autre, est-ce qu'on peut se poser dedans? Attendez, parce que l'autre, il a l'air d'y avoir de la place. On va essayer de se poser dedans, dans l'autre. L'autre, je pense qu'on peut se poser, en vrai. Celui-là, je pense qu'on peut le faire. Ah non, c'est le même. Mais on va le tenter quand même, hein, y a pas de raison. Hein. On est à Lens, je sais pas. Faut demander à Bivrox où est-ce qu'on est exactement. C'est un stade de pétanque. En tout cas, c'est un stade où on peut rentrer dedans. Bon, vous avez percuté un objet. C'est pas grave. Donc Lens, d'accord. La tribu UTS, c'est la training. Bon, allez, au-delà de ça... on va finir quand même sur une zone... Donc là, on est au niveau de Lens, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a comme truc intéressant au niveau... Alors moi, ce que je voulais faire, du coup, vu la configuration actuelle du vol, ce qu'on va faire, on va couper le pilote auto, on va aller voler tranquillement dans la direction, justement, donc des... Alors, comme on avait dit hier, les terrils là-bas, là, parce que ça a l'air vachement beau, on va les faire là-bas.
Le Nord. Le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Non, c'est pas un truc comme ça. On va se prendre la direction là-bas, là. Oh putain, le reflet sur les pales. Waouh. Attendez, pause. Ah ouais, non, pause, là. Ça, c'est obligé, c'est obligé. Le reflet sur les pales. Regardez-moi ça, comment c'est beau, là. Oh là là, pipaf pouf. Oh, wow, 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 wow. Trop beau, ce reflet, là. Hop, photo. Attends, quoi, qu'est-ce qu'on prononce pas, là? Les gens sont jamais tranquillement dans le Nord. Ça dépend de ton accent. Si t'as l'accent de Marseille et que tu débarques au Nord, c'est pas foufou. Je plaisante, décidément. Terry. Là, c'est le L de Terry qu'on ne prononce pas, donc c'est Terry. Ah, c'est sympa, le coin, là, comme ça, là. Hop là, on va reprendre les commandes un peu. Hop là. Ah, l'endroit est cool, hein, moi j'aime bien là. Hein. La petite zone est ici, je pense qu'on va tranquillement finir le live ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous dit? On finit dans le coin? Ça a l'air sympa. Ici, hein. Hein, on se finit le live par là? Ça m'a l'air plutôt sympa, on va finir dans le coin, moi j'aime bien là. On va changer de musique, c'est celle-là qu'il faut vraiment que je dégage. Faut que je récupère son nom, là c'est Take It Slow. Elle est pas sympa celle-là, elle est pas cool. Hop là. J'ai surtout envie d'une mitraillette maintenant. Bah ouais, évidemment. Évidemment, la blague. Il fait 20 maintenant. Avec vos conneries là. Non mais la blague quoi. Les mecs parlent de bouffe en permanence sur le live. Vous êtes honteux les copains, vous êtes honteux. Ouais, bon, on va finir là. Moi, j'aime bien cette zone-là. Elle est cool. On va peut-être essayer de se faire un petit touch and go quelque part, là. Genre sur le sommet de l'autre Terry. Terry. Et pas Terril. C. Bougez pas. Hop. Pourquoi il veut pas me... C, j'ai dit. Laisse-moi la... Bah. Putain, mais ce jeu, quoi. Ah, parce que j'étais pas sur le bon truc. Voilà. Ok. Ok, j'étais pas sur la bonne fenêtre. D'accord. Alors mon mignon. Salut Lanuxel, comment vas-tu? Bienvenue sur le stream. Alors tu arrives pile sur la fin de la pause déj. Mais voilà, rappel du concept. Pause déj, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de midi à 13h. Oh putain, il fallait dire que t'étais là. Attendez, c'était là, fallait qu'on prenne un angle plus grand là. Oh merde, t'es plus là, zut, dommage. Donc de midi à 13h, la pause déj du lundi au vendredi, le chat donne des destinations, moi je vais les survoler donc sur Flight Sim. Et puis voilà, après il y a quelques lives un petit peu à droite à gauche aussi qui viennent ponctuer un petit peu tout ça. Je suis là. Ouais, mais alors attends, du coup, parce que moi, c'est compliqué pour moi, parce que je suis pas en caméra simple, vu que je suis en caméra... Hop là, trop rapide. Tac. Attends, tac. Hop là. Hop. Du coup, on va faire ça comme ça. Parce que l'origine, moi ce que je voulais, c'était me poser sur le... Je voulais me poser sur le bidule, là. La bouffe et la picole, c'est la religion officielle du pays, tout de même. Ah ouais, il y a du monde, là. Ah ouais, alors là, si vous arrivez... Je vais essayer d'aller tout doucement. Mais si vous arrivez à stabiliser dans la zone là, ce serait trop beau. Attendez, je vais essayer de stabiliser un petit peu, d'aller pas aller trop vite. Tac. Voilà, je touche plus à rien, je me mets en mode caméra. Et là, si on arrive à stabiliser... Putain, déjà, rien que là, il faut prendre une photo là. Pouf. Parce que ça a de la gueule. Putain, oh là, là, obligé là. Ah non, mais là, c'est génial, là. Là, c'est superbe. Là, on est bon, là. Attendez, dès que Bivrock s'est calé, je suis prêt à envoyer une autre photo. Il est derrière, il est caché, là. Ouais, il arrive. Et paf, photo. Mais ouais, c'est ça qu'on veut, les copains.
C'est ça qu'on aime. Bisous au 8-12-12. Bisous au 8. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a décroché l'hélico. C'est mort. Et ben voilà, pouf. C'est le bisou, ça l'a tué. C'est un hélico qui est allergique au bisou. C'est les Valkyries qu'il faut. Ah putain, ouais, mais je l'ai pas. Je l'ai pas, les Valkyries. Mais c'est pas con. On essaiera de faire les Valkyries la prochaine fois. Je savais bien qu'il y aurait un crash, les gens me croient pas. Allez, on est reparti. Juste pour le plaisir des yeux sur la fin. Hop. Tac. Tac. On se la joue tranquille comme ça. On va faire comme d'hab les loulous. Je vais vous laisser je vais vous laisser le jeu tranquille. Je vais couper le micro. Je vais couper la cam. Donc contrairement au planning annoncé, pas de live ce soir. On va essayer de se caler tranquillou un peu avec la chérie. Je vous abandonne. Je vous laisse finir à deux. Titre. Je pourrais prendre les screens où je suis. Oui, bien sûr. T'inquiète. Je les posterai tout à l'heure sur le Discord. Embarque-les avec grand plaisir. Le seul truc, c'est si tu les postes sur des réseaux, tu me tagues dessus. C'est tout bête, c'est tout con, mais juste ce genre de choses-là, histoire qu'on puisse se voir les uns les autres, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ce soir, pas forcément de live ce soir. Demain, du coup, il y aura probablement un live dans la matinée, je sais pas encore à quelle heure, en fonction de l'heure à laquelle je me lève, sur du roguelite. Ce sera soit du Dead Cells, soit du Hades, soit peut-être du West of Dead. J'ai très envie de retester un petit peu West of Dead, donc je pense que ce sera ça demain matin. Et du coup, demain après-midi, pour ceux qui sont chauds pour faire soit du Road Redemption, soit du Gartic Phone, signalez-vous tranquillement sur le Discord, et puis on s'organise ça pour l'après-midi avec grand plaisir. Moi, je vous laisse sur cette vue-là. Je vais aller manger, bosser, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao.